Le 4 octobre dernier, le lancement de cette gamme était une étape importante dans l'expansion de FAVW Trux, avec une volonté affichée de conquérir une nouvelle clientèle. Plusieurs représentants du secteur de transport ainsi que les autorités locales étaient présents pour découvrir les performances de ces nouveaux camions. À peine lancée, l'opération n'a pas tardé à avoir un premier acheteur. Il s'agit de le conseil, la délégation spéciale Mlengui Binza, donc qui nous avait sollicité effectivement pour l'achat d'un camion. Et en arrivage de ces camions, nous leur avons proposé FAW, qui est le leader en Chine aujourd'hui, qui n'est plus à présenter dans le secteur du BTP, des mines ou encore du transport de grumes. Avec effectivement, on va dire, cette nouvelle chérie, je peux vous confirmer effectivement que FAW, sur toute l'Afrique, fera ses preuves. Et aujourd'hui, nous pouvons le démontrer car c'est une marque qui est utilisée uniquement par l'armée chinoise. Le conseil départemental de Mongo, dans la ville de Mlengui Binza, dans la province de la Nyanga, est le premier acheteur de cette nouvelle flotte qui trouve satisfaction et confiance dans ce produit de Tractafric Equipment. Le choix de Tractafric, déjà, pour l'équipement, je pense que c'est historique, hein, c'est l'histoire. On voit bien qu'au plan national, lorsqu'on a besoin de matériel lourd, c'est à Tractafric qu'on s'adresse. Donc c'est justement dû à l'antériorité, au vécu. Voilà, depuis des décennies, nous savons que c'est Tractafric qui fait le matériel lourd au Gabon. Donc, lorsque nous avons pressenti ce besoin-là d'acquérir un équipement lourd, on n'a pas beaucoup réfléchi, on est venu chez Tractafric. FAV Trux, une marque chinoise en pleine expansion, pourrait bien devenir un acteur clé dans le domaine du transport en Afrique, avec cette première implantation en terre gabonaise, ouvrant la voie à une distribution plus large sur le continent africain. Tractafric Equipment est aujourd'hui l'ambassadeur par excellence de cette marque utilisée uniquement par les militaires chinois.